Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing Diamond Painting de la boutique Sunface. Voilà, ils m'ont contacté il y a une petite quinzaine de jours. Voilà, j'arrête de faire le bruit. Il y a une petite quinzaine de jours en me proposant de présenter des articles de leur boutique. Donc, j'ai dit oui. Comme d'habitude, hein. Je refuse jamais les partenariats, vous le savez. Donc, j'ai choisi, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 articles. Voilà. Le cinquième, je vous le montrerai en dernier. C'est pas un DP, mais ça fait partie du Diamond Painting. Ça peut servir pour le Diamond Painting, pardon. Je prends un petit truc, c'est pour ouvrir mes sachets. Voilà, j'avais oublié de le préparer. Donc, le dernier, je vous montrerai. Bon, en dernier, voilà, c'est logique. Donc, on va commencer par le premier. Alors, je ne les ai pas préparés. D'habitude, j'ouvre à l'avance. Mais là, je n'ai pas ouvert à l'avance. Donc, on va perdre quelques petites minutes le temps que je ouvre. Mais bon, ça va. Hop. Voilà. Ça va vite. Donc, le premier. Alors, vous savez que maintenant, je ne choisis que des petits. Enfin, des petits ou des moyens d'épée. Je ne prends plus de grands. Ou alors, il faut que le grand me tape à l'œil. Mais alors... comme ça. donc, je ne choisis plus que des épées petits ou moyens. Alors, celui-ci, c'est un... Quelle taille? Youpi, c'est pas marqué. Mais c'est un 30-40. Je vais prendre ma règle, ça va aller plus vite. Viens ici, toi. Ma petite règle. Bon, je vais mesurer le dessin, hein, parce que bon, là... Les marges, on s'en fiche un petit peu. Donc, le dessin fait 25 sur 34,5. Voilà. Donc, à la base, c'est un... Il est vendu pour un 40-50. Voilà. Ce sont des perles rondes en chapelet. Donc là, ce ne sont pas des petits sachets zippés. Alors déjà, il faut que mamie, elle trouve le petit bout hein, pour l'ouvrir. Elle n'a plus de yeux de 20 ans, hein, mamie. Alors, je vous montre les perles d'abord. Alors, il y a comme d'habitude, hein, il y a le petit kit. Il y a les petits sachets avec pour remettre les perles qui vous resteraient. Et il y a 9 couleurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et vous allez voir que c'est un camailleux. Tout le camailleux est à peu près de la même couleur. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Ah, je croyais que c'était un plein, mais non, c'est pas un plein. Ah oui, je me disais, mais mince, il y a du vert dans le truc, et j'ai pas de perle verte. C'est un partiel, j'ai pas fait gaffe. Bon, ben ça fait rien, c'est un partiel. Bon, c'est pas grave, il ira plus vite à faire. Alors voilà, les couleurs. Alors, ça démarre du rouge. Ça part dans les roses, les différents camailleux de rose, et ça se termine par du blanc. Et voilà pourquoi il n'y a pas de vert. Je n'avais pas fait gaffe quand j'ai choisi que c'était un partiel, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Il ira vite à faire. Voilà. Et donc, alors je vous montre dans quel sens. Oui, c'est dans ce sens-là. Alors, le voici. C'est un bouquet de roses. Ah oui, en plus, là, on le voit bien. C'est un bouquet de roses qui se reflète dans l'eau.
Alors, les roses qui sont à faire, c'est celles-ci. C'est celles qui sont en haut. Voilà. C'est les 1, 2, 3. Alors, les trois roses du haut. Celles du bas ne sont pas à faire. Il n'y a que celles de... ici, là où il y a ma main. Donc, les feuilles ne sont pas à faire. L'eau, tout ça n'est pas à faire. Il n'y a que les trois roses, là, là et là, qui sont à faire. Vous voyez, celui-là va aller très vite à faire. Une petite soirée devant la télé et c'est emballé. Alors, celui-là, je le remballe. Il est joli. Mais bon, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe. Bon, c'est rien, hein. Alors, le deuxième. Oups. Je vais pas couper à travers. Ah, pourquoi j'ai pas coupé avant? Mince. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous parler de la pluie et du beau temps. Il pleut chez moi dans le nord. Enfin, il pleut normal, hein. Parce que quand j'avais vu les infos dans le Gard, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous sont dans le Gard. Donc, si c'est le cas, bon courage à vous. Parce que j'ai vu les inondations là-bas encore. C'est vraiment pas top du tout. Mais bon, c'est l'année qui est comme ça. Alors, ici, c'est encore un partiel. Mais là, je le savais. Donc, toujours le petit kit. Bon, là, par contre, j'ai pas de sachet, mais j'ai le petit kit. Donc, c'est toujours un 30-50, mais avec les marges. Donc, ça doit être pareil. Hein. Ouais, 25 sur 34,5. Et là, c'est avec des diamants spéciaux. Allez, mamie, trouve le bout. Oh là là, les yeux, c'est de pire en pire. Hein, je vous dis pas. Je sais pas si vous avez vu la pub en ce moment qu'ils font sur les justement la baisse de vue. C'est une pub pour les lunettes. Et vous avez le gars qui cherche le zip pour arracher les sacs poubelles. Ben, c'est moi. C'est tout à fait moi, ça. Je suis en train de chercher les pointillés pour arracher le sac poubelle. Pourtant, j'ai des lunettes, hein, mais... Bon, tous les ans, il faut que je change. Parce que la vue baisse tous les ans. Alors, voilà. Donc, j'ai un sachet zippé et le reste est en... chapelet, voilà. Alors, je vous montre d'abord celui-là. C'est des petites gouttes. Alors, brillant. C'est brillant couleur diamant. Hein. Bon, ce ne sont pas des diamants, bien sûr. Les kits deviendraient chers, hein, celui-là. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Alors, les petits strass diamants. Des petits strass noirs, des petits strass jaunes, des gros strass diamants, voilà. Des demi-perles blanches, comme des gouttes d'eau, mais diamants jaunes, là, je cherche. Et des grosses gouttes d'eau diamants, voilà. Hop. Voilà, et donc le kit, une jolie dame à faire. Donc c'est surtout tous les bijoux qui sont à coller, donc la dame elle n'en a pas. C'est tout ce qui est bijoux sur elle, donc là, sur les lolos, dans la couronne, dans les cheveux, les chaînes qui descendent. Voilà, tout ça c'est... à mettre les perles, le collier dans le cou également. Voilà. Donc je la trouvais belle. Allez, on va remballer les perles. C'est surtout ça l'important. Pour ne pas se mélanger les pinceaux, hein, avec les autres kits. Donc, comme d'habitude, là, je vais vous remettre à chaque fois la photo pour que vous voyez mieux le rendu.
Et je vais également vous remettre en barre d'infos les liens pour retrouver les kits et le lien pour... je viens de ranger les perles, mais j'ai laissé le kit à côté. Le lien de la boutique. Voilà, on va y arriver. Si je range les perles et pas le kit, ça fait... ça m'arrangera pas. Le troisième. Allez. On coupe doucement. Alors, celui-ci. Ah oui, celui-ci. J'en ai déjà des comme ça, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas encore fait hein, celui que j'avais. Donc, c'est des perles rondes. C'est un entier. Et celui-là, ça doit être un 30-30, si je ne me trompe pas. Donc, le dessin en lui-même fait 22,5 sur 22,5, 23. Voilà. Donc, le petit kit pour travailler. Et les petites perles en chapelet. Donc, on a combien de couleurs? 18. Allez, c'est parti. Du rose, du rouge, du rouge, du rouge. C'est différents rouges. Hein? Différents roses. Du marron, du violet, encore un rose. Du bleu, du bleu, du bleu, du noir. Il y a quand même un gros moyen paquet de noir. Du bordeaux, du rose, du gris et un gris plus foncé. Hop. Voilà. Je range tout de suite mes perles, hein, vous savez. Et je vous montre le dessin. Voilà, une Betty Boop. Et oui, j'en ai déjà, mais j'adore les Betty Boop. Donc celle-là met son courrier à la boîte aux lettres. Voilà. Elle est toute mignonne. Elle n'est pas très grande, donc ça va. Pareil, je vous remets le dessin, l'image, pour que vous vous rendez compte. Si j'ai, on entend un bruit, mais c'est vrai, aujourd'hui on a le, comment ça s'appelle, vous savez, la balayeuse, le camion balayeur qui ne fait que les ruisseaux. Nos trottoirs sont faits une fois tous les 36 du mois, mais bon, moi je m'en fiche, je fais mon trottoir. Je dois être la seule de ma rue à nettoyer mon trottoir. Alors qu'il y a une loi qui normalement oblige tous les habitants qui ont une maison à nettoyer leur trottoir. Donc, personne ne le fait. Ben, moi, je le fais. J'aime pas avoir mon trottoir sale. Et ici, alors c'est encore un partiel en diamants spéciaux. Oui, j'ai eu beaucoup de partiels cette fois-ci. Ça change le petit kit qui va bien comme d'hab. Il y a 10 couleurs. Ah, là ils sont en sachet zippé. Ça change. Donc la taille, ah ben là la taille est marquée, donc 30-40.
Donc ça fait 25-35 à peu près. 25-30. Et là, donc ce sont des sachets zippés. Donc c'est bien. Quand il ne reste pas des perles, ben, je pourrais les remettre dedans. Ah non, je me trompe, excusez-moi. Si, il y a des sachets zippés et il y a du chapelet. Il y a les deux. Alors, je vais vous montrer d'abord le chapelet. Alors, des strass verts, des strass marron, des strass bleus. Oh, ça floute. Et là, des strass violets. Voilà. Et donc, dans les sachets zippés, ici, des grosses strass violets, des demi-perles blanches, des grosses strass bleu marine, des gouttes d'eau, comment on appelle, ça fait plein de couleurs, bon, je sais plus, enfin, là c'est orange avec des reflets de toutes les couleurs, je ne sais plus le nom. Là, des strass violets qui donnent aussi plusieurs couleurs. Je ne reviens plus sur le nom, tiens. Et des strass roses. Voilà. Et maintenant, je vous montre bien sûr le kit, enfin la toile. Donc, voilà la toile. Des arabesques avec des fleurs. Voilà. Joli petit tableau. Donc c'est avec des jolies fleurs, avec un fond. Le fond fait un peu comme du cuir. Voilà. Donc pareil, il va être assez facile et rapide à faire celui-là. Je crois qu'il donnera un bel effet aussi quand il sera terminé. Donc voilà pour les kits. On remballe. Et maintenant, je vais vous montrer le dernier article. Alors attendez, je range tout ça. Et je vais devoir changer. Je place ma caméra. Je vais d'abord vous le montrer et après je changerai de place ma caméra. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, vous avez vu, mes kits sont petits, sont simples. Ça change de ce que je prends d'habitude. Il y a beaucoup de choix dans cette boutique, il n'y a pas de souci. Je vais mettre tout ça là-dedans. Alors, peut-être que vous en avez déjà vu, peut-être pas. Je ne sais pas ce que ça donne. J'ai pris parce que ben justement pour voir ce que ça donne, si ça fonctionne. Là, ça marche avec des piles. Elle va me dire qu'il y en a certaines d'entre vous qui doivent être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Bon, la boîte était un peu destroy quand je l'ai reçue, mais la boîte, on s'en fout, hein, la boîte, c'est pour la jeter. Mais c'est parce que moi, le facteur me l'a mis dans la boîte aux lettres. Vas-y, ça rentre. Ça va rentrer, youpi. On force, mais ça rentrera. Heureusement, il ne me l'a pas cassé. Donc, je disais, ça fonctionne avec des piles. Alors, ne faites pas attention à la boîte. Hein. Je vais tenir la boîte du mieux que je peux. Voilà, comme ça. Hop, et la boîte est destroy. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Bon, certains d'entre vous savent peut-être ce que c'est. On en a peut-être déjà acheté. Ou on en a peut-être déjà vu. Voilà. Un petit chat, comme ça, qui marche avec des piles. Et donc, il a son petit bouton derrière pour le faire fonctionner. Oui, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais bon. C'est pas un ventilateur, hein, je vous rassure.
Ce n'est pas un ventilateur. Pour s'en servir, je vais prendre des perles. Je vais prendre ça. Et on va voir si ça fonctionne. C'est un, c'est pas un ventilateur, mais c'est un aspirateur. C'est un aspirateur pour ramasser les perles. Alors, des fois, on a nos perles. Et puis, notre plateau, chplouf, on fait tomber toutes nos perles. On en a plein à la table ou par terre ou je ne sais où. Bon, si elles sont collées sur votre, votre kit, là, c'est mort. Hein, vous les ramasserez une à une à la main. Hein. Ça, merci, j'ai déjà eu plusieurs fois la, la surprise. Je vais dire un gros mot, mais c'est chiant. Mais des fois, ça tombe sur la table. Et bon, c'est aussi chiant de les ramasser. Donc, ils nous ont inventé ce petit truc. Donc, il y a plusieurs... ça existe dans plusieurs formes. Hein, mais là, elle n'a que le petit chat, si je me rappelle. Mais bon, il est tout mignon, hein, tout rose, comme ça, avec ses petites oreilles. Donc, on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc, ça marche avec deux piles AA. Donc, pas les toutes petites, hein, le modèle juste au-dessus. Donc, on en met deux. Bon, j'ai un peu galéré pour ouvrir le dessus. C'est Chouchou qui me l'a ouvert. J'avais plus de force. Bon, peut-être qu'après, par la suite, ça ira mieux. Là, je vais pas l'ouvrir parce que, je vous dis, j'ai galéré. Après, par la suite, je pense que ça va aller. Mais c'est Chouchou qui me l'a ouvert pour que je puisse mettre les piles. Oui, là. Oui, je pense que là, ça va aller mieux. Donc, je vais changer la caméra de place pour que, voir ce que ça donne. Et on va faire l'essai. Donc, je vais, là, je suis sur ma table à repasser. Donc, j'ai pris un cadre. Voilà, comme ça. Comme ça, ça va être un peu plane. Bon, on s'en fout. Hein. Moi, c'est pas assez de voir si ça marche. Et on va faire un essai. Donc là, j'ai pris des perles rondes. Ronde ou carré, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis, on fait l'essai. À tout de suite. Alors, voilà. Bon, j'espère que vous verrez bien. On va mettre des perles sur le petit cadre. Et on va voir ce que ça donne. Donc, pour l'allumer, c'est sur le petit bouton, ici. Et, alors, je ne sais pas montrer le dessous, comment c'était. Alors, le dessous, vous voyez, il y a des petits balais, des tout petits balais. Et il y a de l'air passe, donc là, dans le trou milieu. Et ici, vous avez les petits balais qui sont fixes, hein, je pense. Alors, attendez. Oui, les petits balais sont fixes. On va voir si ça aspire nos perles. Si ça aspire pas, bon, bah, tant pis. Hein. Allez, on y va. Ah, il y a du bruit. Il n'y a plus de perles. Toutes les perles sont dedans. Et elles ne retombent pas. Il m'a tout avalé. Alors maintenant, on va voir pour récupérer les perles. Alors, on va les remettre dessus. Hein. Il n'y en a plus. Non, je pense pas. Ben voilà, j'ai récupéré toutes mes perles. Donc bon, là, je fais comme ça, je le refais sur le plateau, mais vous, vous le refaites sur un petit plateau vert, hein, ou un petit plateau blanc. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous le refaire une fois. Hein. Ça m'amuse, du coup, ce truc. Voilà, on refait, on remet ces petites papates. On l'allume.
Voilà, il m'a avalé toutes les perles. Il est gourmand, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, terminez de ramasser nos perles à la main sur la table ou par terre. Je trouve ça pas mal comme truc. C'est mignon en plus, c'est pas... Je trouve ça rigolo. Alors, par contre, tout à l'heure, je vous ai montré comment j'ai récupéré les perles. J'avais versé comme ça. Mais je vous remontre. Vous la laissez droite. Comme ceci. Vous lui enlevez ses papates. Donc là, je n'ai plus de perles, vous voyez. Tout à l'heure, la première fois, je ne vous avais pas bien montré. Et vous récupérez toutes les perles. Alors, on va essayer de ne pas les faire tomber. Vous voyez, dans le petit plateau, dans ces petites pattes, comme ça. Et ce qui va vous permettre après de récupérer vos perles et de les mettre directement dans le plateau pour ne pas en mettre partout. Voilà, donc c'était une petite un petit plus que je voulais vous expliquer. Puisque tout à l'heure, je ne vous avais pas bien montré ça. Voilà. Hop, j'ai fait sauter une perle là. Voilà, donc vous mettez votre petit chat droit, toutes les perles vont tomber dans ces petites pattes, et là vous pourrez remettre dans votre plateau et après dans votre sachet ou voilà. Donc voilà, mon petit aspirateur. Bon, j'avais des petits doutes au début, hein. Faut être franc, hein. Bon, je me suis dit c'est un petit gadget, mais un petit gadget qui fonctionne. Donc, bon, là, je ne les ai pas enlevés hein, encore. Les perles, je vais les enlever après. Mais qui fonctionne. Il m'a bien ramassé toutes ces petites perles. Je suis contente. Donc, maintenant, j'aurais plus peur de faire tomber les perles. Enfin, on va éviter quand même de les faire tomber. Hein. C'est quand même pas le jeu. Mais maintenant, au moins, j'ai un truc pour les ramasser, mes perles. Sans m'embêter. Voilà. Donc, je trouve ça super, super marrant. Voilà. On dirait, comment elle s'appelle Hello Kitty. Une petite Hello Kitty qui ramasse vos perles. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je vous mets en barre d'infos le lien pour la retrouver. Je pense que vous avez certainement plusieurs à aller voir pour l'acheter. Mais allez-y, hein, parce que du coup, vous avez vu, j'ai pas truqué. Je ne l'avais pas essayé avant. J'ai vraiment essayé en direct avec vous. J'ai pas essayé du tout avant pour voir ce que ça donnait. Je viens de le découvrir avec vous, ce que ça donnait. Voilà. Et ben, je suis contente. Ça fonctionne. Voilà. Donc, je vais vous mettre, comme d'habitude, en barre d'infos, le lien de la boutique, les liens des articles. Et dans la vidéo, je vous remets les photos. Vous avez, là, comme on est à la fin de la vidéo, vous avez certainement vu les photos des articles. Et puis, la petite photo de notre Hello Kitty. On va l'appeler comme ça, parce qu'elle lui ressemble. Mais je vous dis, je crois qu'il n'y a que ce modèle-là. Mais bon, elle est mignonne, toute rose. En plus, vous la posez sur votre bureau ou bien quoi. Bon, c'est mignon. Je vous fais des gros bisous à tous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.